What the? Help me! Please! This is not how I imagined my first day. Et bonjour tout le monde, on reprend juste après la fin du dernier épisode et on va essayer de se faire un liqueur. Oh merde, juste là. Oh merde, oh le con. Barrez-vous. Il est là. On va quand même se mettre près d'une porte. Oh merde, Ah ouais. Ça fait mal un liqueur. Il est déjà reparti. J'ai mis une balle, il est parti. On va quand même aller sauvegarder. Mais t'étais censé te faire le liqueur. Oh, c'est quoi ça? Oh, le sac. J'ai un truc de soin de toute façon. Oui, j'ai un truc de soin si jamais. J'ai une bonne flash. Bon, on va réessayer. On s'est pris un coup, c'est pas grave. On a stressé. On a un fusil à pompe. Ça doit pouvoir se régler. Il est pas derrière. Non. Clong, clong, clong. Je pense qu'il doit être au fond du couloir, mais... que là, il est nulle part. Donc, je pense qu'il est là, sur la droite. Merde, j'ai plus de balles. Emma? Donna give it to ya. Donna give it to ya. Ah. C'est bon. C'est beau. A pu le liqueur. Au revoir, bonne journée. Je m'en vais vers d'autres horizons, d'autres aventures magnifiques et passionnantes. Et donc, je devais aller où? Donc là, je peux pas. Ah oui, à l'étage du bas. Dans la salle des opérations, voilà. Où il y a une chaîne. Chaîne qui va nous permettre d'avancer dans le jeu. Donc, j'ai encore raté des trucs dans le bureau, mais j'ai raté quoi?
Ah, j'ai raté ça. Ah bah oui. D'accord. Bon, on sait jamais qu'il y ait des zombies qui vont popper, donc... Je suis passé par le mauvais côté. Bon. Attendez. C'est moi qui suis bête. Repasser par ici. Hein. Marvin, bonjour. Marvin, au revoir. Marvin, bonne journée. Il me manque toujours un petit coffre pour la salle des Carzéa. Mais bon. Là. Alors, on avait nettoyé la zone. C'est toujours Monsieur Grésillement. Ah, ah putain, il m'a fait peur. Il m'en fait pur. Là, il y a la salle des archives, mais on peut pas encore y accéder. Quoi? Comment ça, fouille. Ah! Merde! D'accord, fouille. Parlez-vous. Monsieur. Ah, j'ai pété mon couteau. Ah. On va aller chercher des planches. Parce qu'apparemment les zombies ont décidé de revenir tout doucement. Ils se sont dit let's get back home. Voilà. Et ça tombe bien, il me reste une planche. Et d'ailleurs on va reprendre aussi le couteau. Le coutal. Et déposer cette grenade et cette pile qui nous sert actuellement à rien. Voilà. Hop. Alors une petite sauvegarde. Ça ne paye pas de mine. Vu que les zombies sont en mode aggro gros, on revient à la maison. Mais c'est vrai qu'avant il n'y avait pas de zombies. Hein. Elle est où la zombinette du coup? Oui, un zombie et une zombinette, hein, évidemment. Ça s'accorde en genre et en nombre. Avec le participe du futur présent. Au sol, madame, le temps que je rebouche ceci. Voilà. Hop. Et maintenant. On va vous couper. Au sol. Ah, et ça a défoncé mon couteau. Je pense qu'elle est morte. Je te vois là-bas au fond. J'ai pas de planche. Merde. Bordel. Merde. Ah mais putain. Putain. Exactement, Léon. Donc, vous avez quoi, monsieur? Au revoir. Putain de merde. Je sais que vous n'êtes pas morte, madame. Oh putain. Allez, il faut mourir.
droite. Mais il me manque des planches. Comme ça, au moins, la fenêtre est marquée. Et je sais que là, il me faudra des planches. Des planches. Ah, là aussi ah. Non, ils savent pas passer, là. Ah, c'était juste pour me faire peur, d'accord. C'est juste pour... Ils sont juste là pour faire peur. Ils sont gentils, en vrai. Ils sont pas méchants. Là, normalement, devrait y avoir personne. J'ai déjà sécurisé la zone. Hop. Je brise mes chaînes. Mais pourquoi tu fais des jeux de mots nuls? Parce que... Un appareil électronique et il me manque une pile. Bon bah c'était cool. Locker room cap. Mais ça c'est déjà fait. On a trouvé le code au pif. Et pas du tout parce qu'on avait déjà vu le code sur internet. Hein? Non. Une grenade flash. Il faut la clé de cœur. Donc d'un côté c'est la clé de cœur et de l'autre c'est une autre clé. D'accord. Ça pour pouvoir sécuriser, contenir et protéger. Ce qu'on va faire d'ailleurs, on va aller sécuriser, contenir et protéger la zone en sécurisant la dernière fenêtre. Donc là il y a toujours les zombies qui font pareil. Ils sont là en mode crain. Voilà. Je pense que c'était la dernière fenêtre. Quoique. Attendez, parce qu'il y a un bruit de... Il y a un zombie quelque part. Bah, les zombies, ils ont décidé de partir. D'accord. Ils sont partis en vacances. Au Club Med. Qui dit que dans l'autre partie, il va de nouveau y avoir du zombie. Merci, Tamulok. Toi et tes fameux systèmes de sécurité. Là-bas, il n'y avait pas de fenêtre. Il nous reste plus qu'à repartir via notre beau bureau. Et du coup, par contre, l'appareil électronique, c'est cool. C'est cool. Et il manque une pile. C'est un détonateur sans pile. Donc non seulement on sait où on va pouvoir l'utiliser, mais en plus on sait à quoi va nous servir la pile. Elle est où? Elle est là. Viens le petit pile. Hop. On va te combiner avec ce détonateur qui n'a pas de pile. Voilà. Le mélange VVV. On va déposer la grenade. Hein. Comme d'habitude. Ça m'énerve de pas avoir beaucoup de munitions. Et donc on retourne au premier étage. Même au deuxième étage dans la salle de stockage West. Allons-y. Pour faire péter le C4. C'est le C4. Au revoir, poteau. Faire péter ses côtes. Bonjour les zombies, vous êtes tous morts. Au revoir les zombies. Bonne journée les zombies. Moi aussi je vous apprécie les zombies. Normalement à l'étage, j'écline la zone donc il est censé ne plus y avoir de zombies. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu la première fois, monsieur. On va juste revérifier. C'est dégueulasse, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on ait rien oublié dans la pièce? Normalement, non. Il y a un gros coffre. Il y a un coffre de Dark Souls. Ah, c'est une statue. Tout va bien. Là, j'ai oublié des munitions. Vous voyez? Vous voyez, je ne regarde pas bien. Ouf.
Là, normalement, c'est bon. Plus qu'à faire péter le C4. Voilà. Quoi ? Où ça groue ? Où ça graoue ? Où ça graoue ? J'ai entendu, hein ? J'ai entendu le graou. Mais... Il paraît combien qu'il y en a un qui se relève ? Ah non, ils ont plus de tête. Là. Dégage. Je sais, je dilapide mes munitions de pompe. Oh non, j'ai pété mon couteau encore. Donc il y avait juste un zombie, d'accord. Et j'ai stressé pour un zombie. Je suis con, vous pouvez le dire, ne vous inquiétez pas. Donc, on va dire Vierge, Sagittaire et le Serpent. Vierge, Sagittaire et... Le serpent. Le médaillon de la Vierge. Youpi. Vous avez récupéré les 3 médaillons. Vous pouvez maintenant activer une statue inutile. D'accord. Ah, un liqueur. Pourquoi je bouge pas directement, moi? Oh, c'est Liqueur qui arrive de nulle part. Oh, oh merde. Pourquoi je commence pas directement à bouger, moi, quand je vois le Liqueur? Ah. 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 Bon. Point positif. On s'est rien pris dans la gueule pour le moment. Enfin, on est pas mort en tout cas. Marvin, vous allez bien? Il a l'air d'aller bien. Le médaillon de la Vierge. Grande médaille qui ressemble à une Vierge. Vous avez trouvé le passage sucré. C'était de coller ce tabarnak, il y avait un passage secret pour nous. Ça mène bien en bas. C'est bon, on peut sortir. Lieutenant Brana! Marvin! Marvin! On fiche le camp. Marvin! Marvin va bien. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... Donnez-moi vos munitions. C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Ah, ça se refait. D'accord. Merci le jeu. Comptez sur moi, Marvin.
J'adore le jeu. Très bien le jeu. Oh, c'est éclairé. C'est quoi? Ah, il faut une valve. Je vais déjà utiliser... Oh, il y a un truc, ok. C'est quoi? La poudre. Des bols. Pedro la poudre et les babales. Je pense que c'est peut-être une bonne idée de faire un petit peu plus de balles. Voilà. Ah, et ça je peux poser. Je vais garder une plante. J'ai bien souvenir. Hein. Salle secrète, c'est bon. Ok. Ok. Ok, on peut y aller. Ascenseur. Merci ascenseur. Oula. Ouh, je le sens pas. Vous savez quoi? Je vais même me permettre d'aller chercher une petite grenade flash. Parce que je le sens vraiment pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein de liqueurs ou quoi. Je sais pas si ça fonctionne sur les grenades flash. Mais j'en ai plein de toute façon. Mais non, pas les trois. Quoique ça prend pas. Prend pas de place d'inventaire, donc. Allez, les trois. Soyons fous. Ça ne prend plus de place d'inventaire de toute façon. Je rappelle que je ne suis toujours pas mort, mais que je dilapide mes munitions. D'accord. C'est une fermeture automatique, tout va bien, c'est normal. On va quand même aller vérifier en bas, il y a peut-être des trucs. Il y a sûrement des trucs. Une grenade! D'accord. C'est quoi? Ça a l'air d'être un truc bien. Mais il y avait une autre entrée. Je veux pas jouer mon rabat-joie, mais il y avait cette entrée là aussi. Je me demande ce qu'il y a. C'est quoi ça? Ça fait du bruit, en tout cas. On va quand même aller vérifier la porte. Hein. Ce jeu me fait tellement peur. Le dernier jeu qui m'avait fait peur, c'était Alien Isolation. Et pourtant, Resident Evil, c'est nanar. Je l'ai déjà dit, c'est nanar. Ça s'est verrouillé pour le moment, d'accord. Je vais être obligé d'aller vers le truc qui fait du bruit. N'empêche, j'ai bien fait de prendre les flashs. Hein. J'ai bien fait. Pareil, combien que je vais tomber? On va y avoir un truc qui va me prendre genre les chevilles. Même pas. Par contre, il y a une grosse salle là. Et ça fait un petit peu plus peur. Y a rien sur la droite. Sur la gauche, je ne sais pas. Rien sur la gauche. J'ai peur. Je veux pas. Ah.
Allez, Léon. La force surhumaine du policier. Ah! D'accord, il est au-dessus. Et malgré ça, j'ai quand même tout. Je veux pas. Oh merde. Chérie. Quoi? Non, barrez-vous. Je ne suis pas votre amante, monsieur. Oh, un point faible. Laissez-moi tirer sur votre point faible, monsieur. Il s'excite. Ok, il est par terre. Pas le choix. Il faut que je la batte. Recharge. Et merde. Pour les balles, c'est déjà ça. Super, tant mieux pour toi. Laisse-moi me barrer. Il est où? Merde. Il est où? Je pense que le chef m'a raison. Mais... C'est contraire à ma religion, monsieur. Parlez-vous. Okay.
bon, quoi. Va-t'en ! C'est ce que je fais. Balle de fusil à bord. C'est l'heure de looter. Quelqu'un m'observe. Fine déduction, Léon. J'ai pris un petit peu cher, hein, quand même. Un petit peu. Oui, une plante verte. Une grenade. Ah bah au moins il fournissait quand même tout pour le combat. Hein. Et ça c'est pas... Ok, ça c'est pour remonter. Normalement il reste encore un endroit que je n'ai pas complètement looté. Là ici. Plante verte. Et j'ai tout looté. Oui, mais je sais que je peux combiner des objets. Genre ça, je vais le combiner avec ça. Et on va essayer de combiner une plante rouge avec. Ah bah je peux pas, d'accord. On va utiliser ça. Ah, voilà. Maintenant j'ai plus qu'à trouver un point de sauvegarde. Sauvegarde. D'accord, donc là, c'est où on aurait dû aller, on n'a pas pu aller. De la poudre. Black powder. Ah non. Et arriver d'ici en haut, d'accord. Sale bête. J'ai tout looté. Super, allons-y. On a battu le boss, normalement il n'y a plus rien. Il va sûrement revenir plus tard dans le jeu parce qu'il n'est pas mort. Et parce que c'est un Resident Evil.
Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Ah d'accord. Je me débloque le passage, d'accord. Merci le jeu. Un sac plus d'emplacement. Et je sais que je peux encore débloquer plus d'emplacement, donc on est bien, on est bien. Est-ce que j'ai des trucs à poser? Ben le fusil à pompe, parce que pour le moment j'ai plus de balles. Avant que je refasse des balles, j'ai des poudres supérieures, je dois pouvoir refaire des balles avec ça. On va refaire des balles de fusil à pompe. 3 balles. C'est pas worth it, hein. C'est pas très très worth it, hein. Juste 3 balles de fusil à pompe, c'est pas hyper worth it. On va déposer les grenades. Déposer la plante comme ça. On va toujours garder une plante verte au cas où. Vu que de toute façon, on a plein de place. Et on va sauvegarder et s'arrêter là pour cette session-ci. Donc, j'espère... que ce 4e épisode, non, Lyon, de Resident Evil, de le remake, vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Hein. Et alors, conseil du jour, n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un est difforme qu'il peut pas être dangereux. Voilà. Voilà, gros bisous. Et à la prochaine. Allez, regarde la caméra, Léon. Léon. Ouais.